Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce nouvel épisode du Last Story d'un Drawer de 2020 sur la suite de la fresque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Nous voici, nous voilà arrivés à la fin de ce Last Story d'un Drawer de 2020 sur la suite de la fresque avec un nouveau personnage qui s'appelle Tête à Flamme. Et avant que vous me disiez dans les commentaires encore un personnage de feu, bah oui, malheureusement, c'est choisi aléatoirement les personnages. Hein. Voilà, donc je suis encore tombé sur un personnage, on va dire, qui vit dans le feu. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur ce personnage, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, vous avez tout ça dans la description de la vidéo maintenant pour, voilà, pour éviter que la vidéo soit trop longue, donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez en savoir plus. Sinon, si vous aimez ce qui est proposé par la Salut tout le monde et Jean Prod depuis maintenant 10 ans, et ben n'hésitez pas à déjà faire ce qui va apparaître à l'écran, vous pouce lever, vous abonner, la petite cloche, tout ça, hein. Ça c'est juste pour mettre en avant, hein, et montrer que vous êtes intéressé par ce qui est proposé. Et sinon, et bien vous pouvez aussi suivre les réseaux sociaux, hein, qui sont dans cette même description de la vidéo. Il y en a divers et variés, sachant qu'il y en a deux qui se sont... Il y en a un qui s'est lancé et un que j'ai relancé. Donc celui qui s'est lancé, c'est le... Comment ça s'appelle? Le Instagram, là. je rigole en disant ça. Mais je l'ai lancé pour vous proposer là-bas des caricatures exclusives là-bas. Avec le trio, hein, donc les trois personnages que j'ai... inventé, n'hésitez pas d'aller voir, hein. Donc c'est ça sera exclusif jusqu'à la fin de l'année. Après je les mettrai dans le DeviantArt, mais après
l'année prochaine, il y aura peut-être des, voilà, des elles seront exclusives à toute l'année, jusqu'à la fin de l'année, pareil, voilà, chaque fois, ça reste exclusif juste à l'année, voilà, aux semaines dans l'année, après, paf, en fin d'année, paf, ça va passer sur le DeviantArt, bon, vous avez compris. Et le deuxième réseau social que lui, j'ai relancé, c'est la chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver du dimanche au jeudi, tous les soirs de 21h jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas d'aller là-bas pour voir ce que j'y propose. Et voilà, je vous attendrai sympathiquement, bien sûr. Donc n'hésitez pas. Et donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous!